Non, c'est bon. J'ai pas trop bougé le cadre. Bref, allez, c'est bon. Donc salut à tous et à toutes, c'est moi le 9511 et aujourd'hui, ah là là, le 9511, excusez-moi, je vais tellement vite que je me perturbe. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de Tomb Raider, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas encore, parce que ces temps-ci avec les épisodes avec 3 let's play, c'est quand même compliqué. Bon. Ouais. Allez, donc, dans l'ancien épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a réussi à atteindre la tour radio pour envoyer notre SOS. Une fois qu'on a envoyé les SOS, bah, l'avion s'est crashé et on a retrouvé un pilote, sauf qu'il s'est fait tuer. Et aussi, après ce crash, on devait rejoindre Ross, c'est ce qu'on a fait, on l'a rejoint. Et le deuxième pilote a envoyé un fumigène et on doit aller le retrouver. Voilà. Et Ross est là. Très utile comme commentaire. Bref, donc on y va tout de suite, hein. On ne perd pas de temps. Merde, je dois aller où? Oh putain! Non, attendez, je vais prendre mon arc. Peut-être qu'il y en a certains qui... Oh putain, mais c'est sérieux! Ça m'énerve quand je tire et que le mec il bouge sa tête. Ah! En mots! Je suis laid. Je vais tous vous tuer! Ah! Je lui mets à la Rambo quoi! Dans les couilles. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, moi je suis comme ça. J'appuie sur la touche recharger de l'arc. Comment veux-tu recharger un arc? Il n'y a qu'une seule flèche. Il y a quelqu'un? Ross? Je suis là, Ryan. Ça fait peur. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce de ville, cet endroit. C'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Les nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui, on ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord. On va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Ok, c'est bonjour. J'attendais qu'il termine la discussion. Je joue vraiment comme une merde, j'ai mal commencé là. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des os d'animaux. Non, ce sont des os des colonnes vertébrales. Pourquoi des colonnes vertébrales? Je ne sais pas. Bref, bon, j'ai commencé l'épisode à la Rambo, je tirais comme une merde. Mais on s'en fout. Allez, c'est parti, tout comme je lui ai dit, ça manque pas, voilà, regardez, ça va. Je suis encore plein. On fait un truc inutile? Allez, c'est parti. Ah non, ça gagne quand même de l'expérience, donc non, c'est pas inutile. Ce qui s'est... Je me suis trompé, putain. Ah! Mais je suis bloqué par quoi, là? Par une écharde? Oh, c'est pas vrai, ça m'énerve, ça. Je rage, ouais. J'aime bien rager pour rien, ça m'amuse. Puis après, les gens, ils me regardent, genre, mon Dieu, qui est ce fou? C'est pas une blague. Hein. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Je peux y aller comme ça. Ouais. Et bon, Lara, parfois, elle a des temps de la... Il y a des temps où elle bouge plus, elle sait pas quoi faire. Ah. Intéressant. Ah ouais, d'accord. Donc, hop. Et une fois, hop. Non. Prends l'arc. Voilà. Tu vas pas mourir, hein. Même si tu t'écrases comme une merde, mais bon. Bon, lapin. Non, y'a rien. Je me suis dit, attends, j'ai cherché dans la maison. Je ne m'en souviens plus. On peut voir une magnifique statue là-haut. Voilà le signal. Ah non, moi c'est la statue que je parlais, pas le signal. Le signal, je m'en fous. J'adore être sympa comme ça. C'est parti. Ça faisait longtemps. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai... Putain, je me suis gouré de boutons au début. Mais ils m'ont quand même pas foiré le QTE. Parce que dans certains QTE, vous vous gourez de boutons et puis c'est mort. Hein. Donc lui, il était en train de pisser.
Heureusement, il a remonté sa braguette pile au bon moment. Heureusement. Les gens sont sans pitié, quoi. Ils pissent dans la nature. Non, mais n'importe quoi. On s'en fout. Bonjour. Mais dites-moi, mais c'est que je connais cet endroit. Non. Bon, c'est là où on était au début. Allez, hop. Et oui, nous sommes revenus dans la même zone. Parce que oui, cette zone est très vaste, en fait. J'aime bien croiser des ennemis comme ça, qui sont là juste pour te faire le plaisir de tuer. Hein. L'autre, il est en train de regarder son pote en train de pisser. C'est super. Mourir en train de pisser, ça doit être horrible. Tout mon secret proche, oui, il y a juste une grosse flèche qui t'indique l'entrée est ici. J'ai plus de souffle alors que je viens à peine de siffler, c'est super! Allez, on y va! C'est quel tombeau là? Ah, il y a du vent, je crois savoir. Ah, parfait! Perfect! Perfect! Bonjour! C'est par là la fête? Bonjour! Ah, c'est celui-là, c'est parce que je vois. Salle de l'ascension. Alors, il y a un camp, donc on va améliorer notre arc. S'il te plaît. Allez, Lara, merci. Arc recourbé. Voilà, donc maintenant j'ai un arc beaucoup plus classe. Hein. Ok. Ah, il y a juste ça qui s'est ramené, je veux dire, mais il n'y a pas d'amélioration. Voilà, maintenant j'ai un arc beaucoup plus. Moins fait maison, quoi. Même si je trouve que le dernier arc de Lara, une fois qu'on l'améliore à fond, il est même très classe. Cela faisait donc partie de la bataille. Okay, d'accord. Donc je sais comment faire, hein. J'attendais le bon moment. Elle souffle. Hop là, voilà. Alors on se barre, s'il te plaît. Si tu le dis, chacun ses goûts, hein. Tombe au pied. Oh mon dieu, nous sommes des voleurs. Y a-t-il une pièce là-dedans? Pièce d'un pistolet, parfait. Une corde? Ah non, c'était pas une corde. Bon, ça va, je me suis pas fait mal. Hein. Oh, y'a beaucoup de vent, hein! Non! J'aimerais bien avoir beaucoup de vent là, parce que là, je meurs de chaud. Encore. Ouais, je sais. Bah, on est un peu en été, tu m'étonnes. On se plaint de la chaleur, on veut de la fraîcheur, mais quand on sera en hiver, on se plaindra de la fraîcheur et on voudra de la chaleur. Voilà! Eh ouais! Bonjour, enfin au revoir, excuse-moi. C'est sympa la fête. Pff, je déteste quand elle marche comme ça parce que c'est super long. Sérieusement. Grotte de merde, mal foutu. Mal foutu, c'est grotte. La nature fait pas bien son boulot. Allez, cours là, sérieux, là. Je peux pas. Oui, t'as juste de la lumière et t'es juste à côté de la sortie, mais tu ne peux pas faire ça. Ah la vache. Ouais.
Oui, je sais, il y a une statue à illuminer, mais bon, on va pas toutes les faire. Hop, alors. Ouais, bon. Oh, des œufs. Hein, j'ai même pas vu qu'il y avait un truc à mes pieds, quoi. C'est risqué. Mais bon, je suis un fou. Hop. Ça passe. Largement. Ah bah putain! Mais quelle chance! Ah, j'ai quand même fait la moitié. Hein. Hop! Non, rien. Non, 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 non! Hein? Sérieusement? Sérieusement? Non mais, ça c'est une blague. Ça aussi c'est un truc qui m'a énervé et c'est pas... Ça m'est aussi arrivé quand je faisais mon jeu normalement. Hein. C'est que parfois, les sauts de la race, c'est... Pas mal... Non, pas mal... C'est pas le mot que j'ai en plein. Je... Ouais... J'emploierais, mais quand même, quoi. Parfois, c'est... Non, attends. Attends, je suis con, moi. Attends, je peux faire un truc très pratique. Voilà, parce que je savais que la corde allait se péter. Donc, déjà d'une. Toi, je t'allume. Voilà. Y'a quoi là-bas? Pas grand-chose. Par contre, ce qui me fait marrer, c'est que la zone où je suis mort, c'est... Non, voilà. C'est une zone où je pourrais y aller plus tard. Rendez-vous bien compte. C'est-à-dire que c'est une zone où quand plus tard dans le jeu, je vais pouvoir y passer. Et j'y meurs. Bien. On va récupérer quand même ma pièce de fusil, à moins qu'il me l'ait compté, hein, mais je sais pas. Pas trop faire confiance à ça. Ah ben non, en fait, ça a compté. Ça a tout compté, ben, c'est pas mal. Ce jeu est excellent. 20 sur 20. Les critiques d'aujourd'hui, sérieux. C'est à mourir de rire. Hop. Et oui, il est temps pour toi de quitter ta famille. Allez, la ferme. Il y a du vin. Et comme par hasard, regardez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sens venir la corde qui va se péter la gueule? Voilà. C'est le mot. Je savais, hein. Il suffit de bourriner carré, puis c'est bon, hop. Ça dure longtemps, putain, ce fumigène, c'est des longues durées, hein. Le premier qui m'agrate, je fous une balle dans la tête. Entre les deux yeux. Ouais. Tâchez d'être prudent, d'accord? Bonne chance. Il y a des lapins qui sont partis dans les buissons, je sais pas ce qu'ils ont fait et je veux pas savoir. Mais quoi, je ne peux pas faire ça? Qu'est-ce qu'il raconte encore, elle? Vous concentrez vos explosifs, Félicitations, nouveau niveau de compétence débloqué, la rapa maintenant, utilisez son pion là-bas pendant le combat, appuyez sur triangle. Ah, bon, en gros, quand j'appuie sur triangle pendant pendant un combat, j'ai mon piolet. Et c'est pas plus mal. Mais ça permet d'achever les ennemis bien comme il faut avec un coup de piolet dans la gueule. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Libère les balles plus efficacement, ce qui permet de monter les dégâts. Pas mal, les modifications de...
De quoi? J'arrive pas à lire. Bon, voilà. Améliore la cadence de tir. Ça permet de... permet un mode de tir alternatif en rafale de 3 coups. Ah oui, je... ouais, c'est vrai. Mais je préfère que ça fasse plus de dégâts. Avec ce qui me reste comme pièce, est-ce que je peux pas améliorer un truc de la mitrailleuse? Non. Et l'arc? Bah non, l'arc. Ah si, attendez, l'arc. Il y a encore un truc. Non, 250 les machins. Voilà, donc mon pistolet, il fait plus de dégâts. Ok. Bah, j'allais dire, si j'ai 250, j'y retourne, mais bah non. Ouais, mais j'ai quand même la flemme d'y retourner. Hein, donc, merde. C'est bien sombre par ici. Ces ruines sont antérieures à la période Kofun. C'est génial. Putain, t'as une musique pesante qui s'installe, c'est très rassurant. Un pèlerinage. Putain, maintenant. Non, c'est juste un pot. Une reine. Unico. Peut-être. Encore du vent, il y en a marre. Oh. Salut. Ah. Incroyable. Capitaine Zephop. Bon, meurt. Capitaine Zephop. Bon, on va y aller, hein. Oh mon Dieu. Bah bouge! Tu vois bien que c'est des bidons explosifs. Pour une enfant, tu m'as causé beaucoup de problèmes. Mais tu es aussi naïve que prévisible. Tu es là! Oh, mais c'est joyeux tout ça! Bref, donc on peut voir que Mathias est un méchant! Tant, tant, tant! Je sais pas pourquoi je fais cette musique alors que. Salut! Ça va? Je te trouve très sexy! Ous! Allez, on balance! Oh! Elle adore se péter la gueule, je crois, hein, là, c'est ce jeu. Ah, salut! Qu'est-ce qui se passe ici? Capitaine Johnson. Même si t'as dû être sauté, c'est dégueulasse. Si t'as dû être un peu explosé. Salut! Bon, moi, je me casse, hein. Quand tu veux, là. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas tués. Parce qu'ils ont tué tout le monde, mais tout le monde n'est pas nous. Ils nous ont ramenés. Ça, j'ai pas compris. Ah, le gros ennemi. Oula, ouais, vous avez une qualité différente de la mienne. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Ils sont... Non, mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'ils ont tué tout le monde sauf nous? Pourquoi nous, ils nous ramenaient à la vie, ils se sont dit « Ah, une femme !» On va pouvoir enfin se vider là. Non, non, rien. C'était dégueulasse. bref, sinon, c'est ça va. C'est beau, il fait chaud. Même un peu trop, je trouve. Bref. Alors. Tiens, des casques. Oui, je ne vais pas être très utile. Prends ton temps. Hein. Ah ah, l'arme. Donne-moi ça, toi. J'espère que le machin marche encore. Fusil de tranchée. Fusil de tranchée, donc il te dit carrément que c'était un fusil limite de guerre, quoi.
putain, c'est... C'était violent le tir, la vache. Ils sont à ma recherche. Non, blague. Mais en fait, ils veulent tous te buter. Je sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Très franchement, j'en ai aucune putain d'idée. Viens encore. Teste les tombes. Ah, c'est une tombe. Tu fais ça pour ça, c'est tout ? Et donc, c'est pas la mort, hein. La reine solaire et les gardes tempêtes. Ce serait ça, ce que je viens de voir. Emiko, la première reine solaire. C'est bien le Yamatai. Oui, il est profane la tombe de quelqu'un. Tu es vraiment là ? Et tu es vraiment mort. C'est incroyable. C'est une sorte de rituel du feu, un rituel de sacrifice. C'est horrible. Mais pourquoi brûlait-il des femmes comme ça ? Un voyage, un pèlerinage vers... Est-ce que c'est bien ce monastère ? De l'eau qui coule ? Mais pourquoi ? Et te voilà. Qui coule, c'est un transfert de pouvoir. C'est un rituel de l'ascension pour désigner la prochaine reine. Comme d'habitude. Excuse-moi, j'avais envie de sortir ça. Alors, dégage, dégage. Merci. Moi, je rigole plus maintenant, ok ? Fais déjà prendre dans ta gueule. J'adore ce jeu! Fais déjà prendre dans ta gueule! Dans ta gueule! C'est trop drôle! Non, c'est violent, mais c'est marrant! C'est violent, mais marrant! Je dois passer pour un psychopathe là! Non, mais ce que je veux dire, c'est que les ennemis ils te foncent vers toi, tu fais BAM! Au revoir! C'est énorme! Excusez-moi, Zan. Non, je n'ai tué personne dans ma vie, je rassure les gens qui me regardent. Ça ? Un gros mec qui crie. Ah, c'est... Oh, bon, je fous la pompe, non. Non, c'est ma sortie. Ta gueule. Les gardiens sont que bon. Alors, y a-t-il du nouveau ? Ah, ils se font poursuivre. Votre force sacrée vous permet de transporter un maximum de munitions. Donc là, en fait, il y a deux mecs qui sont agressés par les gardiens. Voilà, c'est tout. Sauf que là, vu que je suis dans mon petit feu de camp pépère-posé, eh ben, on les voit pas. Alors, la poignée rembourrée permet d'améliorer la stabilité de l'arme et de réduire le recul. Ouais, la grenade de si plus rapide. Le manchon de canon air facilite la mesure de l'arme, permettant ainsi d'augmenter les dégâts. Ouais, je vais augmenter les dégâts. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime bien défoncer les gueules. Parfois, je parle, mais on dirait un psychopathe, quoi. Genre comme à la fois ce que je dis tout à l'heure. Ouais, la violence, c'est cool. Non, c'est pas cool. Dans les jeux. Mais pas dans la vraie vie. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un dangereux psychopathe. Hein. Mon Dieu, ce let's play va me rendre fou. Déjà que j'ai chaud et en plus si je crie comme ça, ça va pas le faire. Ah mon dieu. Alors, toujours et encore du vent, parce qu'on adore le vent là-dedans. J'ai bien pourquoi elle s'arrête. Là, 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 là. Bonne idée, tiens.
Allez. Ma manette elle vibre quoi, c'est. Ils vont me repérer. J'ai même pas entendu le. Attention! Ça sert à rien. What? Spice donc! Fumier! Oh, viens, viens toi! Tu vas voir. Il a rien compris! Oh la vache! Ah, mais toi, je te l'ai mis bien comme il faut! Ok, tu veux jouer à la mitrailleuse? Oh non, j'aurais pas le temps. Voilà! Eh mais les mecs, ils me surprennent comme ça, un coup de shotgun dans ta gueule, puis c'est bon. Ah mon dieu. Ah, attendez. Hop, recharge. Recharge l'arc. Attends. Alors. La sortie était juste sous leurs pieds. Oui, mais ils sont cons. Qu'est-ce que tu veux, un mec, c'est con. Oui, je m'auto-insulte, ouais. Je savais que t'étais là, mec, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon shotgun. Mais bon. Oui, il y a certains trucs, je me souviens. Ouais, ouais c'est dingue. Donc, ah, tiens. Hop, donc. Nous, pour ouvrir la sortie, on va faire un truc de fou. Oui, oui, allez, pas besoin de me montrer ça. J'ai mon arc. Ok, j'ai mon arc. Hop. Alors, est-ce qu'ils vont se ramener? Non, ça, c'est après. Pardon. C'est après qu'il se ramène. Alors, on va reprendre mon arc. Hop. J'ai remarqué un. Que fais-tu, Lara? Que fais-tu? La meuf, elle commence à. Vas-y, attends. Qui c'est qui me cherche là? Tu meurs, merci. Le mec il fait genre. Non, ensemble live. Attends, hop. Ça m'amuse, j'appuie sur un bouton par hasard, puis là. Ta-ta-la. Ah merde, là, il y a un ennemi qui va me tuer. J'avais oublié. Là. C'est bien fait ce passage, franchement, c'est pas trop mal. Ça va péter! Enfin, pas péter, mais une sorte de boom. Quand je vous ai dit que Lara allait se péter la gueule. Oula, y'a un bout de bois qui a disparu sous mes pieds. Mais vraiment disparu. Vache. Ah ça c'est l'un des meilleurs passages du jeu. Tout ça pour sauver un pilote quand même. J'ai quand même à dire. Allô? Allô? Hmm?
putain. Allô ? Sam, c'est Lara. Oh mon Dieu, Lara. Ça fait du bien de t'entendre. Moi aussi, Sam. Est-ce que les autres sont avec toi ? Non, j'ai juste pris ici à voler une radio à un garde. Un garde ? J'ai été enlevée. Quoi ? Où es-tu ? Je sais pas. Un vieux palais japonais. Ils n'arrêtent pas de parler d'un rituel de feu. Du feu, comme sur la fresque dans le tombeau. Ross, tu es là? Je me dirige vers le palais. Les autres y sont enfermés aussi. Ok. Bien. Je te rejoins et on y va ensemble. Tout est chargé. Ok. Alors je sais pas quand est-ce qu'on s'arrête. Peut-être bientôt. Ouais, je crois. Je vais juste regarder ce que j'ai. Non, j'ai rien. Parfait, c'est presque inhumain. Merde, arrête, Lara. Écoute-toi un peu. On croit la grande papa. On dirait les vestiges d'une civilisation perdue. Non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. J'ai envie de rigoler. Vous savez pourquoi j'ai envie de rigoler? Parce que là, déjà, Lara, est-ce qu'elle écrit un journal vraiment? Mais quand est-ce qu'elle écrit son journal, est-ce qu'elle écrit vraiment non, tu parles comme papa? Déjà d'une. Attendez, deux petites secondes. Donc là, excusez-moi pour le retard, là, je tiens vite la caméra parce que... De toute façon, on va s'arrêter pour aujourd'hui, j'avais l'intention de m'arrêter. Bref. Donc aussi, un truc que je voulais dire... par rapport au deuxième manque qui me fait rigoler, c'est qu'en fait Lara, elle a dit qu'ils n'hésiteraient pas à la tuer, alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas tuée pendant qu'elle était évanouie? Voilà, je trouve ça juste bien. Bref, donc, excusez-moi si je bouge, mais de toute façon j'avais l'intention de m'arrêter. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine. Oui, c'est assez brusque, mais je suis obligé de m'arrêter. Excusez-moi. Donc allez, salut, et à la prochaine. Fin de vidéo la plus bâclée au monde.